3, 2, 1, go! Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah. J'ai pris du poids, j'ai arrêté de fumer. Donc, c'est quoi qui m'a fait grossir? C'est le pain. J'en mange beaucoup. Manger avec la malga, avec de la bonne sauce. Quand il y a un bon repas avec de la sauce, je ne fais pas attention combien je mange de portions de pain. Des fois, ça m'arrive de manger une baguette et demie, ou le pain fait maison, le pain marocain fait maison, manger la moitié. Donc, avant, je ne mangeais pas ça. Quand il y a un bon repas, on n'a pas le choix. Voilà, ça vous donne un résultat comme ça. Starfallah. Ah, oh, pom, pom, pom. Oh, ça schlec, ça mire. Ah, un peu d'humour, un peu d'humour. Donc, j'en bouffais, j'en mangeais pas avant. Donc, vous savez, la cigarette est l'ennemi du pain. Pourquoi? Parce qu'avec la cigarette, vous n'allez pas grossir. Même si vous mangez du pain, vous n'allez pas grossir. Vous mangez un peu de pain. Moi, avant, quand j'ai fumé cigarette, je mangeais pratiquement jamais de pain. Donc, j'ai enlevé la cigarette, je bouffe du pain. C'est ça qui m'a fait grossir. C'est pas avec les protéines ou avec les gainers. Quand j'en vois tout le tas de, qui me racontent des salades tomates oignons, allez raconter les salades à je sais pas qui, à Babelwed. Donc, les protéines que je fais maison, ça n'a rien à voir avec le pain. J'en fais, je fais des protéines, mais c'est pas ça qui m'a fait grossir, c'est le pain énormément qui m'a fait grossir. Les people, quand vous arrêtez de fumer, vous grossissez, vous mangez du pain, tout ce qui se présente devant vous, en malga, tagine, la halala, avec le pain, vous le mangez, non, mes amis? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non? Si vous n'êtes pas d'accord, bah, allez voir à Babelwed. Hein. Donc, mes amis, faites attention quand même au pain. Moi, je mange comme une sardine. Hop, les sauces, on enfile avec les oignons, avec des bons petits légumes, avec un bon petit poulet, bien aromatisé avec des olives, les harissa, avec quelques poivres, un peu de tout là, dans la petite assiette, ça donne envie. Quand c'est vraiment bien épicé, on mange, on dit bismillah, on s'en fout si on a pris du bide. Mais je me rends compte, j'ai pris un peu de butoche et le pain. Ça, on va le travailler. Donc, les gens qui racontent des sottises, pas possible. Moi, je vous dis, allez torcher le nez, les dents. Je vous dis, big chest, big up, big arm. À la prochaine. Faites attention au pain.